revanche, il y a des gilets jaunes qui disent aussi qu'il y a des violences commises par les forces de l'ordre. Est-ce que celles-là resteront impunies ? Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui ait attaqué des gilets jaunes. Mais naturellement, je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant ou attaquer un journaliste. Monsieur Castaner n'a encore jamais vu de policier attaquer des gilets jaunes. S'il avait survolé la place de la Comédie de Bordeaux, ici en vert, et la rue Sainte-Catherine, ici en jaune, il aurait une toute autre idée des violences policières. La manifestation a emprunté la longue rue Sainte-Catherine, une longue rue piétonne de 2 km, qui relie la place de la Victoire et la place de la Comédie. Les gilets jaunes se mélangent aux nombreux passants qui déambulent dans cette rue commerçante. Et tout le monde pense que le périple de ce jour va donc se terminer place de la Comédie, pacifiquement. Alors que tout se déroulait calmement, on vit soudain surgir une dizaine d'individus, casqués, en tenue civile, les uns portant brassards, d'autres munis d'une arme, barrer la rue Sainte-Catherine, et très vite, ces individus ont jeté des grenades lacrymogènes. La foule des gilets jaunes et des passants ordinaires fut très étonnée. Les gens ont commencé à refluer ou à prendre des rues adjacentes. Puis, très vite, des bruits d'explosion firent naître un moment de panique. C'est alors que les casques et brassards des se ruèrent littéralement vers les gilets jaunes et les passants. Un de ces supposés policiers jeta une grenade dans la rue de la maison d'Ourad, puis un autre policier tira au flashball dans cette rue. De loin, on ne comprenait pas ce qu'il se passait. On était loin de se douter qu'un drame venait de se produire. Ah, Olivier, soutien à Olivier.